Ce registre a pour thème l'opposition entre les péchés et les justes. Il est divisé en trois parties. Sur l'icône de droite, une femme est assise sur un trône. Il s'agit de Mérétrix, la prostituée de Babylone. Elle incarne le chaos et les vices de la terre. Ses cheveux longs sont défaits en signe de dépravation. Son corps est à peine caché par une simple étoffe bleue. Des serpents descendent le long de ses jambes nues pour mordre ses orteils. Deux crapauds têtent ses seins dénudés. La scène montre Mérétrix condamnée à brûler en enfer. Le démon se tient derrière le trône. Il orchestre les tortures des damnés en avalant un homme. La confusion visuelle qui émane de l'image illustre le chaos des enfers. Au centre, des corps torturés, mordus, dépecés sont disposés en diagonale. Nus, offerts aux démons, ils n'expriment ni souffrance ni douleur. Le damné le plus proche du trône est torturé par un démon de grande taille. Le suivant est attaqué par trois oiseaux qui piquent sa tête et son thorax. Un petit démon étrangle le troisième pêcheur en prenant appui sur sa poitrine aidé par le diable de grande taille. Sur la scène suivante, trois hommes vêtus de blio se dirigent vers un personnage trônant pour lui faire des offrandes alimentaires. Vous remarquerez que l'allure humble de ces hommes, les uns derrière les autres, contraste avec la violence des scènes précédemment citées. Il s'agit ici d'une réelle opposition entre les bons, les justes, et les méchants, les pêcheurs.